Salut à vous, aujourd'hui petite vidéo sur mon PC, donc on va parler du jeu Fortnite. Donc ça va être un petit tuto Solus par rapport à un problème qui intervient chez beaucoup de gens. Alors le problème c'est simple, on va le prendre comme ça. On va dire que vous allez lancer pour la première fois sur votre console, Xbox One, PS4, votre première partie de Fortnite. Là, le jeu va vous lancer en fait une fenêtre, Epic Game, je précise bien Epic Game, donc c'est par rapport à des informations que vous allez écrire pour un compte PC. Et là, la connerie elle intervient ici en fait. C'est que les gens, comme mon ami en fait, font la bêtise de mettre une adresse mail secondaire. Qu'est-ce que l'adresse mail secondaire? Bah c'est simple, c'est l'adresse mail secondaire, c'est un compte level 1, tout simplement. C'est pour vraiment aller sur le vif du sujet directement, vous allez mettre votre adresse mail secondaire, ce sera pas la bonne, forcément ce sera pas celle principale PS4 Xbox One, et là ça a bugué. Donc voilà, vous allez aller sur PC, vous aurez un compte level 1, sans stats, sans skin, sans rien. Il n'y aura pas d'heure de jeu, pas de top 1, que dalle. Donc moi, le problème en fait il est là, je suis là pour régler le problème. On va commencer comme ça, on va aller sur le site officiel, donc Epic Game. Donc après si vraiment vous n'avez pas le problème, du compte lié, etc. Ne regardez pas la vidéo, je vais pas vous embêter avec ça, c'est pas la peine, c'est pas pour vous. Voilà. Donc vous allez déjà, en premier abord, aller déjà sur la fameuse page. Comment dire, vous connectez sur le compte, voilà. Une fois le compte connecté, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Vous allez dans compte associé, tout simplement. Une fois dans compte associé, vous aurez associé trois fois normalement, si bien sûr le compte n'est pas lié. Après, si c'est votre adresse secondaire, celle qui nous embête, vous aurez normalement contacteuse to disconnect vis service. Donc ça, je vous en parlerai après parce que ça va nous intéresser. Donc, une fois votre compte principal connecté, vous allez normalement, je disais, avoir associé trois fois. Donc là, ça sert à rien d'écrire associé parce que déjà, il va falloir dissocier votre compte secondaire. Donc ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas les associés. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être ça en fait. Donc c'est simple. Excusez-moi, j'ai cliqué dessus, je voulais pas cliquer dessus. J'ai cette solution là. Après, il y a une autre solution. Donc, je vais revenir à celle là après. Donc, contacteuse, je vais revenir après. Il y a le fameux dissocié normalement qui devrait apparaître là, moi qui n'apparaît pas chez moi. J'ai été voir ça sur un forum, j'ai pas eu d'image comme preuve. C'est des gens qui disaient ça, mais bon, moi j'ai pas eu de preuve, donc forcément, j'y crois pas trop. Je vous précise quand même que si c'est vrai, précisez-moi le en commentaire. Parce que moi, j'ai pas sur le compte de mon ami. J'ai pas de dissocié. J'ai juste contacteus. Donc voilà, après je sais pas. Donc la marche à suivre, ça va être simple, vous allez cliquer sur contacteus to disconnect this service. Une fois ouvert, vous allez avoir une page, simplement avec des informations à rentrer. Niveau d'un sujet, de message, de nom, prénom, etc. Enfin tout, en fait vous allez devoir décrire votre problème simplement. Donc par rapport à l'adresse secondaire que vous avez entrée la première fois que vous avez lancé sur votre console. Plein de choses comme ça. Mon ami l'a fait hier. Aujourd'hui à cette heure-ci il a toujours pas de réponse d'Epic Games, donc j'espère qu'ils vont lui répondre qu'ils vont lui répondre dans les plus brefs délais, parce que bon, c'est assez chiant de jouer avec un compte level 1, on va pas se mentir, voilà. Donc voilà, après vraiment si vous avez pas la config requise pour Fortnite sur PC, vous embêtez même pas à lier un compte, hein, restez sur vos consoles, c'est pas la peine, parce que là j'ai pris un petit j'ai été me renseigner par rapport à la config qu'il fallait. Là je vois la configuration minimale, ça honnêtement pour moi, excusez-moi, c'est pas une configuration utilisée, elle marchera pas pour moi celle-ci. Vous allez pas être bien sur le jeu, pour moi. Hein. Après, essayez toujours. Mais juste comme ça, petite info, j'ai un ami à moi qui a un core i5 et pas un core i3 comme c'est écrit là avec 2 4 GHz. Il a 8 Go de RAM aussi. Il a une GTX à plus de 1000, je sais plus combien exactement, mais bref, plus de 1000. Et pourtant, il doit jouer en moyen et même en moyen, il atteint même pas les 50 FPS, il me semble, il doit être à 45. Donc pour vous dire, imaginez un i3, un i3 en moyen avec 4 Go. Franchement, on va pas se mentir, ça va pas le faire. Donc oubliez cette configuration minimale, moi ce que je vous conseille en configuration ça va être i5 minimum, je dis bien minimum, avec 8 Go de RAM, et avec une GTX un peu plus puissante que 660, parce que 660 même ça je trouve pas ça vaut le très haut. Enfin après vous faites comme vous voulez, hein, c'est par rapport à votre budget, moi je suis pas là pour critiquer ou quoi, je suis là vraiment pour vous donner les infos par rapport à ça. Donc après c'est comme vous vous sentez vous. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai trouvé que cette solution là. Donc je sais pas si je l'ai dit, avant bien sûr de faire cette vidéo là pour les haineux qui vont commencer à me balancer dans la tronche, ouais ça sert à rien tes vidéos, il y a 36 tutos sur internet et tout, non, je vous arrête directement, moi et mon pote qui a ce même problème là, on a été voir bien avant que j'ai commencé la vidéo, s'il y avait des solutions par rapport à ça, et sur internet tout ce qu'on trouve c'est lier le compte, il y a pas écrit délier le compte ou etc, il y a pas de ça, on n'a pas trouvé ça, ou alors si on a ça doit vraiment être mal expliqué, pas autant que moi, j'ai pas me vanter ou quoi, parce que j'ai été les voir les tutos, je vais pas vous mentir. Mais ça parle pas précisément comme de comment, excusez-moi, de délier le compte, etc. Ça parle surtout en fait de lier le compte.
Voilà, donc moi je préférais vous faire ça sur comment délier le compte et comment mettre votre compte principal, excusez-moi, au-dessus. Voilà, ce que eux n'ont pas fait. Voilà, donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que ça va vous aider, que Epic Games va vous répondre dans les plus brefs délais. Parce que c'est vrai que jouer avec un compte level 1 alors que vous fumez le jeu sur PS4 et Xbox One avec votre compte blindé de skins, etc., je pense, pour la plupart du moins, c'est assez dérangeant quand même de jouer avec un compte level 1, faut pas se mentir. Voilà. Donc bref, je vais arrêter là-dessus. Je vous remercie de votre temps pour le visionnage, tout simplement. Et je vous précise juste que la prochaine vidéo sera sur Monster Hunter World, sur le fameux Raphian Sakura. Voilà. Donc je vous remercie encore et puis à la prochaine.